En marge du printemps de l'Art déco, Pas-de-Calais Habitat, en partenariat avec la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins, a ouvert les portes de son bâtiment administratif, boulevard Bazly à Lens. En proposant cette visite exceptionnelle, Pas-de-Calais Habitat souhaite rendre accessible la culture à tous. Ce qu'on veut, c'est offrir aux habitants vraiment de Lens la possibilité de découvrir un peu un patrimoine un peu caché ou peut-être un patrimoine oublié ou en tout cas quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément et tout ça gratuitement. Donc oui, aujourd'hui on fait ça, on fera certainement quelque chose au mois de septembre pour les journées du patrimoine. Donc on est très heureux aujourd'hui de participer au printemps de l'art déco aux côtés de la communauté d'agglomération de Lens-le-Liévin. Et à l'intérieur de cet édifice qui abritait autrefois la société de secours des mines, on découvre, à la gloire des mineurs, des bas-reliefs ornant la salle du conseil d'administration, des mineurs avec leurs outils, une infirmière portant assistance aux mineurs et leurs familles, et une scène d'hommage aux morts de la Grande Guerre. Mais surtout, dans l'escalier, un grand vitrail art déco, là aussi, avec des éléments caractéristiques du paysage minier. Ce bâtiment est doté d'un très très beau vitrail, réalisé par Raphaël Larder. La première ébauche de ce vitrail, malheureusement, est détruite en août 1944 lors des bombardements de la ville de Lens. Et il est reconstruit quasiment à l'identique en 1946. C'est exceptionnel qu'on ait un vitrail de cette taille. On va voir aussi des vitraux de très grande taille au niveau de l'hôtel de ville de Liévin. On en avait dans l'ancien hôtel de ville de Lens, mais qui malheureusement est détruit en 1944. Donc des vitraux qui sont plutôt des vitraux qui vont être dans des bâtiments civils, on en a beaucoup moins. On a des vitraux dans certains hôtels de ville du bassin minier, mais on en aura dans des bâtiments privés, on en aura un petit peu moins. On en aura plus dans les églises. Pour Marie, venue avec son amie Laurence, toutes les deux passionnées par l'art déco et les vitraux, l'œuvre est tout simplement remarquable. Oui, il est magnifique. Il est très lumineux, il est très coloré, des couleurs chaudes ici aussi dans le bas. Je trouve que les contours des pièces de vitrail sont assez fortes. Et franchement, dans les nuances de jaune, de orange, de vert, il est superbe. Marion et Michel, également amateurs des visites art déco, ont eux prolongé la visite en participant à un atelier création de vitrail. J'ai appris comment on faisait les vitraux, du découpage, j'ai appris du collage. Et après, on colorie des formes. Et après, quand on le met à la lumière, on voit les reflets dans les feuilles. C'est l'oiseau qui est représenté. Ah oui, la colombe. D'accord. Le printemps de l'art déco, c'est jusqu'au 26 mai. Tout le reste de la programmation est à retrouver sur www.printempsartdeco.fr.